Salut, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Massive Techno Militaire Radio. Et on voulait savoir un peu comment ça se passait de ton côté le confinement. Au top, ça va. Non, je suis pas la plus à plaindre. Franchement, j'ai de quoi faire du son à la maison. Je suis bien accompagnée et j'ai de la bière dans mon frigo, donc tout va bien. Et du coup, ouais, tu te concentres un petit peu sur le son en cette période un peu particulière? À fond. Et du coup, toi, tu peux nous en dire plus un peu sur bon, tes projets, ce que tu fais, qui tu es? Je commence par quoi du coup? Qui je suis? Qui suis-je? Ça, c'est une grande question de philo, ça. Qui suis-je? Alors, moi, c'est Bonnie, aussi MB Kong en tant que productrice et Goldiebee en tant que DJ, cofondatrice du label marseillais Omakase Recordings. Et du coup, tu me demandais quels étaient les projets actuels dans le secteur de la musique, sachant que tout ce qui est scène, c'est dead, évidemment. Tout ce qui est live, c'est dead aussi, puisque bon, bah voilà, on connaît les raisons. Je vais pas les donner. Par contre, avec Omakase, on a un gros projet sur lequel on est en train de bosser en ce moment, qui est la sortie d'une compilation, la première du label, qui regroupe 18 artistes au total sur 12 titres. Et voilà, on a lancé une campagne de crowdfunding le 16 novembre, qui prend fin le 14 décembre. Et voilà, faut en parler. Vous pourrez retrouver le lien du crowdfunding dans la description et sur les posts de l'émission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton trajet, dire par quel style t'as commencé, comment ça a évolué au fil du temps pour en arriver là où on est aujourd'hui? Yes, alors moi je viens de la black music, j'ai commencé le piano à 4 ans, je suis musicienne et chanteuse plutôt jazz soul à la base. Voilà, moi je viens de Paris, donc là-haut j'avais deux duos, vraiment axés jazz, soul, électro aussi un petit peu. Et c'est vraiment descendant sur Marseille, en tout cas dans le sud, il y a 5 ans maintenant déjà, que j'ai commencé vraiment proprement à me mettre à mixer et à produire de la musique électronique, mais plus club ou danse, on va dire ça comme ça. Plus que trip-hop, ce qui était mon cas avant, on va dire. Et pour maintenant plutôt bass, break. Après, je pense que je suis un peu comme tout le monde. On a tous des phases et des périodes dans notre vie, quoi. C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, je jouais majoritairement plutôt de la house ou de la tech. Maintenant, plutôt tout ce qui va être UK. Mais encore de là-bas. Enfin, on va dire que tout mon background et tout ce que j'ai mis dans mon sac dans le passé, je l'ai encore. Donc. Autant selon les soirées, je vais pouvoir te jouer du gros R&B des années 2000 que de la grosse bass UK grime, que de la grosse tech, il n'y a pas de. Voilà, j'ai pas de limite du tout. Du coup, tu as un peu un point d'arrivée plutôt côté UK, mais tu n'oublies pas tout ton parcours. D'ailleurs, comment ça fait du coup la transition du côté un peu black music à la musique électronique en fait? La transition, sachant que à côté de ça, donc en tant que MB Kong, moi je continue encore à faire de la musique électro, soul, trip-hop, vraiment. Donc du coup, j'ai pas abandonné ça pour refaire de la musique électronique. Donc je l'ai encore là. Après la transition, j'ai toujours dansé, j'ai toujours aimé sortir. Donc, sans qu'il y ait vraiment de transition, on va dire que ça fait partie de ma vie intégrante. Enfin, les deux font partie intégrante de ma vie, quoi. Autant d'aller voir un concert de soul au New Morning à Paris que, je sais pas, une soirée massacre, par exemple. Je sais pas, pourquoi pas. Et du coup, tu retrouves quand même enfin, il y a des choses qui te parlent, que tu retrouves dans les deux types de styles que tu affectionnes, tu retrouves un peu des similitudes. Des similitudes dans la musique électronique et dans la black music. Bah, de toute façon, les racines sont les mêmes en termes musicaux. Enfin, funk, disco, house, techno. Enfin, de toute façon, la musique, ça reste du beat, ça reste des harmonies, ça reste plein de choses. Après, des similitudes, non, pas nécessairement. Enfin, je sais pas. C'est pas facile ta question en fait. Il y a des kicks, il y a des snares, il y a des voix, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Ça me va. C'était juste pour pouvoir un peu fouiller un peu entre toi, si tu mettais des choses où il y avait des similarités entre les différents styles que tu affectionnais, mais effectivement, c'est une continuité. Donc, du coup,
on va dire, toi, tu as quoi comme projet d'avenir? Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de se projeter par rapport au confinement, tout ça. Tu en as parlé un peu là de la prochaine sortie sur le label, avec, on espère, le crowdfunding qui sera bien complet à 100% à la date prévue, au moins à 100%. Mais pour la suite, bon, même ouais, si c'est compliqué de s'envisager une scène dans le futur, toi, t'as d'autres projets pour l'année à venir, on va dire? Absolument, ouais. Si les salles réouvrent, enfin, il faut que les salles réouvrent, quand les salles réouvriront, le but, ce serait de... Moi, j'ai un live avec Ambicon que je suis en train de monter. Solo, trip-hop, donc, comme je te disais. À côté de ça, avec l'autre cofondateur de Kumanopé, de Omakase, qui s'appelle Kumanopé, a.k.a. Michael, qui est aussi mon conjoint, du coup. On a un projet en commun qu'on est en train de monter ensemble, plutôt axé à aussi un peu bass, ethnique, tribal, voilà. Donc on est en train de produire vachement là-dessus. On a le temps, du coup, avec le confinement, donc c'est cool. Et puis éventuellement avec Omakase, le but ce serait vraiment de... Enfin, avec cette compilation, on veut vraiment faire connaître les producteurs qui sont proches de nous, qui est le cas de tous les gens en fait qui font partie de cette compile, et on aimerait les amener plus loin, quoi, vraiment leur permettre eux aussi de, voilà, de sortir ces EP, ces albums qu'ils ont cachés au fond de leur ordinateur et qu'ils n'ont pas la niaque de sortir tout seuls. On veut essayer de les, voilà, leur donner la motivation avec Omakase pour le faire. Le futur, c'est plus vers des projets collaboratifs dans l'idée un peu de pousser les copains qu'ont des prods qui méritent d'être sortis un peu à l'extérieur. Ok, c'est cool. Bon, bah écoute, moi ça me va. On a pour une fois une note un peu optimiste sur le confinement. C'est vrai que t'as l'air plutôt réjoui et puis ça a l'air d'avoir été l'occasion de se recentrer un peu sur la production et tout. Donc écoute, c'est super. Donc on va laisser un peu le public avec ton set. Donc c'est parti. À bientôt.
Never go back.
Thank you.
time you come out, our music be love. And from time you come out, our music be love. Thank you.